Allez les petits potes, on est à 35% du coup de cette partie. On va avoir combien d'heures de jeu ce matin? Peut-être un peu moins que d'habitude, étant donné que là, on est déjà bien avancé dans l'horaire. Il est 10h23. On va jouer quoi? Une heure et demie à peu près, 1h25, quelque chose comme ça. Ta tête hier soir avec le volant. Oh, Donatien, il se fout de ma gueule, quoi. Donatien se fout de ma gueule ouvertement. Merci beaucoup, mon Gartas, pour tes 60 bits supplémentaires. Merci à toi. Oh, j'avais oublié, regardez-moi cette belle armure. Regardez-moi la belle armure qu'on a mis à Ratchet et Edelka, qui régale encore une fois un peu plus avec 100 bits supplémentaires. Merci à toi, mon frérot. Merci beaucoup, mon pote, pour le soutien envers la chaîne. Tu es un amour, mon poteau. Un très, très grand merci à toi. Salut, tu fais des lives maintenant ou c'est une rediffusion? Non, Sylvain, on est en live. On est en live. On est en live, mon pote. On est en live, t'inquiète pas. Il y a très souvent, très très souvent, on est en live. Hein. On est en live tous les matins, tous les soirs. Donc tu ne peux pas me rater, mon Sylvain. J'espère que tu vas bien, mon frérot. J'espère que tu vas bien. Pas le moyen de venir sur Twitch, Sébastien? Comment ça? Bah, tu tapes sur Twitch, tu tapes Xurin Live et tu me trouves sans problème. Mais bon, si t'as pas de moyen de venir sur Twitch, y a aucun problème. Si c'est de ton côté le souci, je veux dire, y a aucun problème, évidemment. Tu regardes le live là où bon te semble, mon pote. Bien sûr, bien sûr. Et Steph qui vient régaler encore un peu plus avec les 20 euros. Je participe aussi. Merci à toi, mon Steph. 20 euros sur Tipeee. Merci beaucoup, les gars, ce matin. Vous êtes en train de me rendre fou. Merci beaucoup, mon Stéphane, avec 20 euros sur Tipeee. C'est juste monstrueux. Merci à toi, mon poteau. Et les 100 étoiles de plus pour Florian qui vient régaler. 410 étoiles au total également pour Florian, qui reprend la place de VIP du jour étant le dernier donateur. Merci beaucoup, les gars. Vous êtes monstrueux. Je sais même plus quoi te dire. Je sais même plus quoi te dire. Merci à vous, les gars. Je sais même plus quoi vous dire, pardon. Merci beaucoup. Merci encore à Gartas pour ses 50 bits. Merci à vous, les gars. Merci à vous pour tout votre soutien que vous êtes en train de réaliser. Vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Merci beaucoup, les potos, pour tous ces bits, tous ces euros, tous ces étoiles. Sa décoration est payée ce matin. C'est ça, c'est ça. Merci, Edelka. Bon, je m'arrête. Tu as déjà fait beaucoup. Tu as déjà fait beaucoup, mon Edelka. Merci, un grand, grand merci à toi. Un très, très grand merci à toi. Je vais bien. Je vais peut-être pour te rencontrer le dos. J'espère le voir un jour au stade. J'ai pas compris, Sylvain, excuse-moi. J'ai pas compris, mon pote. Je vais peut-être pour te rencontrer le dos. J'espère le voir un jour. J'ai pas compris, mon pote. Merci beaucoup, Gilles, pour tes 45 étoiles également sur Facebook. Merci beaucoup. On va l'empêcher de jouer à force. C'est exactement ça. Et Edelka qui ajoute 100 bits. Il avait dit qu'il s'arrêtait. Et finalement, il ne s'arrête pas. Bon, en attendant, on profite un petit peu de l'armure de Ratchet. Et puis, on va continuer à jouer. Merci beaucoup, mon Edelka, pour tes 100 bits. Tu régales, mon poteau. Tu régales. Qu'est-ce qu'on avait à faire ici? Oh, il y a une faille là-bas qu'on n'a pas encore faite. Bon, on va aller la faire direct. On va récupérer, évidemment, les trois... Comment ça s'appelle? Les trois raritariums qui seront présents. Et puis avec ça, on va continuer à développer. On va continuer à développer nos armes. Hein. On va continuer à développer nos armes qui deviennent, ma foi, très efficaces. Hop là, attention. Ici. Ici également, c'est bon. Allez, on s'en va. Quoi? Pardon? Ils viennent vraiment de m'attaquer là, ces petits chiens là. Voilà, c'est fait. C'est fait également. Je crois qu'on a tué tout le monde, on récupère les boulons. C'est allé très vite. C'est allé très très vite. Allez, donc on va aller sur cette faille. Oh non, ça y est, il y a les marabouts qui arrivent. Oh là! Oh là! Où suis-je? Où suis-je? Où suis-je? Il faut se calmer un petit peu là, qu'on ressorte d'ici. Voilà qui est fait. Ça y est, il y a un premier marabout sur Facebook. S'il y a un modérateur, je veux bien un petit ban. Sinon c'est pas grave. On l'ignorera juste. On l'ignorera juste. Allez, on va aller chercher cette faille là-bas. Qu'est-ce que c'est là-bas aussi? C'est un vaisseau, mais à quoi il sert ce vaisseau? Ah, c'est un truc que j'ai déjà récupéré, ça, je crois. Ouais, c'est ça. C'est un lorbe que j'avais déjà récupéré. Donc ça, pas besoin de s'en soucier. Et on a une faille qui est juste ici. Hop là, let's go. Let's go dans la faille. On récupère le raritarium à l'entrée. Oh, 5 raritarium en plus. 5 raritarium, ça régale également. Ça régale également. Décidément, il n'y a pas que des bits aujourd'hui. Il y a même du raritarium en abondance.
que se passe-t-il? Ok. Ça, on esquive évidemment. Là, on passe. Ok. 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 Quoi? Pardon? Pardon? Pourquoi ça m'a compté une mort, ça? D'ailleurs, attendez, je vais regarder les bonus d'armure qu'on a actuellement. En bonus de collection, on a... Ah, 5% de raritarium gagné en plus. C'est bien ce qui me semblait, ouais. C'est bien ce qui me semblait. On a 5% de raritarium gagné en plus. Bon, tant mieux. Par contre, un peu bizarre, là, cette histoire. Faut qu'on reste le plus bas possible, du coup. C'est ça? Merde. En fait, ça nous fait monter petit à petit. Ça, on n'a pas vraiment le choix, donc... Ok, on s'en sort bien. Parce que là, vous voyez, je peux pas descendre, en fait. Donc, je comprends pas vraiment comment faire pour... Ah, là, il va falloir que... Yes. Let's go! C'est fait. On est au max. On récupère les petits boulons. C'était très sympa à faire, cette faille. Elle était très sympa à faire. Et la pièce d'équipement également. Qu'est-ce qu'on a récupéré, du coup? Oh, le casque, le Capitaine Starshield. Le casque a l'air très sympa. Le casque a l'air, bah, foi, très très sympa, pour le coup. J'ai hâte qu'on débloque l'armure entière pour pouvoir se trimballer avec. Allez, on sort d'ici désormais et on va continuer nos petites missions. Nice. La suite des aventures, où est-ce que ça se passe? Où est-ce que ça se passe? On va retourner au vaisseau. Puisqu'on a, je crois, à peu près tout fait là. Je crois que la quête principale, elle est faite. Donc, on va retourner au vaisseau. Voilà, on va retourner au vaisseau. On va pas trop se prendre la tête avec ça. Merci, mon Eric. Merci beaucoup. Et courage pour ton ménage. Courage à toi, mon pote. Mais merci beaucoup pour le marabout. C'est adorable. Merci à toi, mon pote. Heureusement que vous êtes là, les modérateurs. Heureusement que vous êtes là. Oh, 600 mètres du vaisseau, on en est loin. On en est loin, mais je crois qu'il n'y a pas de téléportation. Heureusement qu'il y a ces petites bottes qui nous permettent d'aller très vite dans la direction dont on a besoin. Attendez. Il n'y a pas un truc à faire avec ça, là? Honnêtement. Il n'y a pas un truc à faire avec cette porte qui est à moitié pétée. Merci beaucoup, Gartas, pour tes 50 bits supplémentaires. Merci à toi, mon frérot, pour ton soutien. C'est adorable. C'est adorable. Merci beaucoup, mon Gartas. Tu régales. Non, je pense pas. Je pense pas. Bon. Si jamais j'aurais peut-être raté quelque chose, on s'en occupera un peu plus tard. Merde. Ça, je l'avais pas vu venir, ce petit trou. J'avais pas vu venir cette petite, petite faille. Merci beaucoup, Eric, pour tes 10 étoiles, tes 2 semaines d'affilée. Like Steam matin. Voilà, exactement. Merci à toi, mon pote, pour ton soutien envers la chaîne. C'est adorable. C'est adorable. Merci beaucoup, mon poteau. Merci beaucoup. Donc, pour passer là-bas. Comment est-ce que je retourne là-bas? Je suis un peu emmerdé là, non? Ah, là-bas, il y a un... Ok. Il y a soit un saut à faire... Ok, c'est bon. C'est bon, on va trouver la solution. Normalement, en passant par là, il n'y a aucun problème. Salut, mon ami! J'espère que tu vas bien, mon pote. Nice. Le double saut. Tiens, en même temps, on va continuer d'améliorer les armes. On n'a toujours pas ce qu'il faut pour le vacu répulseur, mais c'est pas grave, on va nous améliorer. Alors, qu'est-ce qui nous restait à améliorer pour aller récupérer les cellules oranges? Au niveau du ricochet, augmente la quantité maximum de munitions, prolonge le délai imparti pour infliger des dégâts bonus, pareil, pareil, et fait rebondir le ricochet au bon moment, infliger des dégâts croissants. Et ça sera quoi? Chaque rebond soutire des ballons supplémentaires à chaque ennemi. Pas mal, ça. Pas mal, pas mal, pas mal. Demain, mercredi 8, le verdict de Nice-Marseille. Ah, je savais pas. Merci pour le follow, BSK, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Je savais pas que c'était demain. Et ce soir, il y a la France. L'idée du fauteuil n'est pas mal, effectivement, Dani. Effectivement, elle est pas mal du tout. A voir après, moi, ce que je peux faire. J'ai pas non plus envie de m'acheter un nouveau fauteuil, tu vois. Mais à voir si je peux faire quelque chose avec le mien actuellement. On verra bien. Pour essayer de un peu plus se régaler sur la F1. Il y a des caisses, donc on va les prendre.
On a jamais trop de boulons de toute façon. On a jamais trop de boulons, jamais trop de munitions. Ça, c'est une certitude. Où est-ce que je peux grimper? Ici sans doute. Ouais. Ouais. Encore des petites caisses ici. Voilà qui est fait. Et comment passer là-bas? Ah là-bas il y a un petit champignon. C'est parfait. On va remonter. Et on va aller prendre notre petit vaisseau pour continuer l'aventure. Ok, ça on peut rien prendre. Ah oh, oui, mais la mesure con, elle est partout. Hein. Elle est vraiment partout. Ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps, ouais. Allez, on prend le vaisseau. La France va encore faire égalité d'après toi, Delka. Écoute, c'est possible, hein, c'est possible. Combien le score ce soir? Allez, moi je vois quand même une petite victoire française, là. Un petit 1-0 à l'arrache, mais qui fera du bien quand même. Qui fera du bien quand même. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller sur Blizzard 1 pour trouver du quartz, phasique et utiliser la forge à rubion de l'empereur pour fabriquer le dimensionnateur. On va commencer par Blizzard 1 avec Rivette et Clank. Ouais, on va commencer par ça. Est-ce que Rivette s'en sort? Let's go! On est reparti avec Rivette désormais. Sur Sargasso, tu disais avoir donné le dimensionnateur à Ratchet pour qu'il puisse trouver les autres Lombax. J'aurais jamais cru en rencontrer un autre. Encore moins retourner chez moi, si on peut dire les choses comme ça. Tu crois vraiment que c'est possible? Non. Non? Non! Merci Florian! Pardon, je regarde la cinématique et... Je te remercie après. Oh non, Blizzard est tout explosé! Wow. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je n'en suis pas très sûr. Wow. Merci beaucoup Florian pour tes 100 étoiles, tu régales mon poteau. Pardon Dani, j'ai raté ton message, qu'est-ce que tu me disais? Le problème c'est que hier j'ai regardé, tu avais le bras trop près du volant et c'est pas agréable pour conduire. Il faut que tu ailles les bras pliés mais vraiment légèrement et surtout le plus important c'est que le volant soit à la hauteur du montant. Ouais, je veux bien te croire Dani, j'essayerai ça cet après-midi. La France est fébrile encore, fait des bêtises, mais tiens, on verra bien ce soir. J'espère que ça ira, mon Eric. L'Italie enchaîne les nuls, 3 nuls d'affilée aussi. Ouais, ça arrive à toutes les équipes, les gars, ce genre de situation, de toute façon. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a à récupérer ici? J'imagine... Oh, attendez. Quelle sensation exaltante! Ah d'accord. On est en apesanteur, les petits potes. Ce cristal est une substance appelée blison. Donne-lui, le blison semble avoir absorbé l'énergie dimensionnelle. Waouh! Une autre dimension! Mais c'est incroyable! Non, mais nous y trouverons du quartz phasique intact. Partons à la recherche des mineurs. En fait, quand on le tape, on change de dimension. Alors, ça, j'ai fait ça parce que j'ai vu que tout à l'heure il y avait. Voilà. Un petit raritarium. Ça, c'est des caisses à casser ou pas? Ouais, tout à fait. Mais c'est incroyable là, le fait de flotter, c'est génial! Je surkiffe ce truc. Pour le moment, ici, on ne peut pas passer, donc on va, comme il l'indiquait. Passer dans l'autre dimension. Et là, cette fois-ci, c'est normal. En fait, on est au même endroit, mais dans une autre dimension, donc il ne s'est pas passé les mêmes choses. Ok. C'est quoi ça? Wow! Je pensais pas qu'il allait nous attaquer. Le paratonnerre. Il fonctionne très bien, enfin, finalement, cette arme. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce paratonnerre. Voilà. Ok, pour les crabes, c'est bon. Une secousse sismique, peut-être causée par l'effondrement des frontières entre les dimensions. Ouais, donc, ces histoires de dimensions, c'est vraiment un problème. Hein. C'est vraiment un problème ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Non. Je pense qu'on doit juste passer ici pour l'instant. Procédure de verrouillage. Il faut qu'on passe de l'autre côté de cette fenêtre pour actionner le déverrouillage. Encore un truc dimensionnel? Oui, la situation est de plus en plus instable. Cela explique pourquoi la mine est désertée. Donc on va devoir alterner entre les dimensions. Ce soir 1-1, ils me déçoivent tellement que pas sûr de le regarder. Allez, courage mon Donatien. 0-0, victoire de la Finlande. Roy Delka ne dit pas ça. Vivement octobre pour la Ligue des Nations. C'est vrai que ça va être sympa. Ça va être sympa. J'espère bien, Noméo. Un peu de calme, Delka, Noméo. Je te rappelle que tu regardes un streamer français, mon pote.
À chaque fois qu'on passe la voir, elle, j'aime bien mettre à jour les améliorations, évidemment. On en était au ricochet. Voilà, on a un de plus. Prolonge le délai imparti pour infliger des dégâts bonus. C'est bien. Maintenant, ça, on tape dessus. Stupide univers à la noix. Plus de boulot, plus de quartz physique, plus de planète. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Mon âme? Vas-y, prends-la. Pour info, je viens de découvrir qu'il y a une autre dimension où Blizzard est encore intact, alors... Encore intact? Mais comment? Mais oui, le Blizzon. Si la planète n'a pas encore été détruite... Waouh! Qui c'était? Est-ce que tu sais de quoi elle parlait? C'est certainement une survivante de ce qui s'est passé ici. Bon, il nous faut un autre cristal de Blizzon. Ok, hyper intéressant ce concept là d'alterner entre les différentes dimensions pour pouvoir avancer. C'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Après, il y a toujours une rivalité équipe de France, équipe des Diables Rouges. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. La France est toujours chanceuse contre les gros. Pourquoi chanceuse? C'est pas de la chance, mon pote. C'est pas de la chance. Je suis un fan des Diables Rouges et tu as bien raison, mon pote. Il faut supporter son équipe nationale. Tu as tout à fait raison. Alors, est-ce qu'on peut passer à travers la fenêtre du coup? Non, pas encore. Ici, c'est quoi? C'est des caisses? Non. Donc, je pense qu'il faut juste avancer là pour l'instant. Et on va sauter là-bas. Nice. On s'aimante à la surface magnétique. Et il faut qu'on aille trouver un autre blison. Est-ce que d'ailleurs on a raté quelque chose? Oui. Ça c'est quoi? Ah non, c'est des blisons ça, d'accord. Donc on n'a rien raté. J'aimerais pas rater du raritarium quand même. C'est le bonheur le raritarium. Ok. Merci beaucoup Florian pour tes 35 étoiles de plus mon poteau. Un grand merci à toi. Très très grand merci à toi pour ton soutien. Ok. Oula, oula, attention. Faut pas que je fasse n'importe quoi. Ici, ça on dirait du raritarium. À chaque fois j'ai de l'espoir alors que ça en est pas du tout. J'adore parce que même le son est un petit peu atténué dans cette dimension. C'est pas vrai. Ah pardon, on a découvert des ennemis. Oui. Alors attendez, moi je veux pas jouer à ça. On va se prendre le paratonnerre qui fonctionne très très bien en ce moment. On va en profiter. Ok. Ok, nice, on a perdu pas mal de vie tout de même. C'était pas très bien joué de ma part, mais bon. Salut mon Pierrot, j'espère que tu vas bien mon pote. J'espère que tu vas bien. Bonne journée Donatien, à bientôt mon poteau. Allez, on continue d'avancer. Est-ce que je n'ai rien raté? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, on continue d'avancer. Là, il y a du raritarium, excellent. Il y en a au moins 3 là-dedans. Ouais, 3 raritarium. On voit ce message dans l'espoir que quelqu'un l'entende. Nous y réfléchirons après avoir récupéré le quartz phasique. Tout à fait, il a bien raison, Clank. Ok, on récupère tout. On se blinde en raritarium, là ça régale. Hein. Ça régale, c'est quoi ça? Ah, un Krieger Beer, superbe, un troisième. Un troisième Krieger Beer trouvé. On est passé de l'autre côté de la console, donc ça on va pouvoir l'utiliser. Ok, l'ouverture est faite. Par contre, elle est où la quête optionnelle? Ou elle est là-bas? Elle est plus tard. Les favoris du US Open sont Djokovic, Medvedev, Zverev. Attention à Alcaraz, jeune espagnol qui a sorti de Tsitsipas, qui joue ce soir contre Roger Aliassime sur Eurosport. Djokovic, Berrettini, Zverev, Harris, Roger Aliassime, Alcaraz, Van de Zandschulps, Medvedev, le dernier carré. Merci beaucoup Eric pour l'info sport. Ça va très bien, merci mon Pyro. J'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais mec, tu arrives quand tu veux, comme tu veux. Il y a aucun souci, mon pote. Aucun souci, bien au contraire. Bienvenue à toi aujourd'hui. Allez, on récupère tout ça. Une secousse sismique a détruit le pont. D'accord. Je suppose qu'on va devoir faire le tour. Ouais, on va devoir faire le tour et on va sans doute trouver encore une fois du blison. Tu réfléchis sur quel type d'équipe tu vas commencer sur FIFA, Ligue 1, Française, BPL? C'est une très bonne question et j'y ai réfléchi à Rouen et je n'ai pas la réponse malheureusement pour l'instant. Puisque j'hésite à faire la classique BPL que tout le monde fait. Mais en même temps, une équipe française comme la dernière fois, j'avais bien kiffé. Mais ça serait aussi l'occasion de changer. Une Ligue 1 peut-être être le bon compromis, effectivement. Waouh. Les poissons globes de lave sont mignons. Quand ils les
Wow, wow, wow! Vous en dire jamais. Calmez-vous direct, hein, je vous le dis. Là, de l'autre côté, une plateforme de forage. Mais attends, mais ça sort d'où ça? Ok, on les pète tous. Alors, l'électricité leur fait très mal, c'est bon. Maintenant, tâchons d'atteindre la maintenant, on va récupérer les petits boulons et aller à la plateforme. Voilà, on récupère tout ça. On devient riche. Tu n'es pas classique dans la vraie vie, la VPL. Alors, dans la vraie vie, mon pote, je suis très classique. Je suis très peu prise de risque. Enfin, ça dépend pourquoi, évidemment. Mais de manière générale, je suis assez classique. Donc on verra, on verra. J'exclus pas encore la BPL, mais c'est vrai que ça m'embête un peu de la prendre alors que tout le monde l'a fait, quoi. J'avoue que ça, là-dessus, je suis un peu... Oh, là-bas, il y a du gros raritarium. Comment je fais pour y aller? Je vais y aller tout de suite. Sinon, je vais le rater. À ton avis, c'était qui cette personne dans ma dimension? L'inconnu? Je n'ai rencontré personne comme elle sur Blizzard dans ma dimension. C'est vrai que on sait pas trop qui c'était cet inconnu, hein. Qu'on a trouvé ok, ici y a rien. Qu'on a trouvé en train de discuter là, qui voulait jeter une pierre dans l'espace. On sait pas trop ce que c'était. Oh là. Le paratonnerre ça régale, hein. Le paratonnerre ça régale. C'est vraiment une arme efficace. Ici, est-ce qu'on a autre chose à récupérer? Je pense que oui. Oh, un boulon en or! Il y aura de belles équipes L1 à faire sur FUT cette année, c'est vrai Pierre, c'est vrai, c'est complètement vrai, donc effectivement c'est une réflexion à avoir, c'est une réflexion à avoir. On est pas mal là les gars, on est pas mal du tout, on récupère pas mal de boulons, des munitions, on a vidé une bonne partie de la zone. Maintenant on va retourner faire la quête principale, bien évidemment, ça reste la priorité. On va continuer à avancer l'histoire. On récupère tout. On est full life, on a des boulons, on est bien. Oh non, je sens la dinguerie là. Vous sentez la dinguerie? Ah voilà. Des goons for less. Ah, encore des goons for less. Des goons for less. Allez, les petites esquives. C'est maintenant que tu te rends compte. Et un niveau supplémentaire pour le paratonnerre niveau 3. On approche. Ces mercenaires chassent toujours en meute. Allez, on continue de les allumer. Oh là. Oh là, celui-là, je l'ai complètement manqué. J'ai complètement manqué les esquives, autant pour moi. Là, je suis même allé dedans, donc c'est terrible. En même temps, c'est vraiment pas la bonne arme. Hein. Je vais y aller à l'exécuteur. Oh, mais attendez, on va essayer l'arme... l'excavateuse. C'est pas mal. Oh, ça a l'air pas mal, l'excavateuse, en réalité. Ça a l'air pas mal du tout. Regardez, ça charge et bam, ça saute dessus. C'est pas mal l'excavateuse, honnêtement. C'est pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fini de développer? Bah, le collisionneur de Megatron, tiens. C'est bien pratique, lui aussi, avec son gros rayon laser. C'est pas mal du tout. Fort, mais certainement pas autant que... Ouais, le problème, c'est que si tu fais une équipe Léguin, tu fais une équipe PSG, c'est un peu ça. Après, jusqu'à ce qu'il y ait des cartes améliorées, tu vois. Jusqu'à ce qu'il y ait les cartes spéciales, et là, tu peux passer sur une équipe... avec des joueurs variés. Veuillez garder vos mains et vos pieds à l'intérieur. Oh, il est beau, hein. Oh là là, mais qui il est beau. Le nombre de petits détails. On se sent vraiment dans cet univers, quoi. La foreuse géante, peut-être. Trouvons quelqu'un qui nous aidera à y accéder. Bonne idée. Ah, il y a du monde là, dis donc. Il y a du monde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah. Ma ressource préférée. Merci mon Eric pour le petit point football. Attendez, comment sortir d'ici là par contre?
Ouais, nickel. Salut Jérémy, ça va très bien et toi mon poteau? Oh mais dis donc, il y a une vraie ville là. Voici le centre d'exploitation. Quelqu'un ici pourrait nous orienter vers la foreuse. Le poste de contrôle de l'ingénieur en chef devrait être tout près. Je parie que t'es incollable sur les mines. En effet. Par exemple, sache qu'un mineur passe en moyenne 72% de sa vie sous terre. Oh, c'est vrai? Oh. Non, ça fait beaucoup. Mais je voulais satisfaire ta soif d'anecdote. Putain, cet humour me fume. Pardon, c'est Twitch, je vous ai encore un peu oublié. Les ricochets, c'est clairement c'est génial, ouais. Verrouillage, faille interdimensionnelle. Et le petit train à côté de ton pseudo, Delka, il régale, j'avoue. J'avoue. Ça va et toi, mon Gaël? Ce qui est arrivé sur Blizzard dans ma dimension pourrait se produire ici. Salut mon Vin, ça va et toi mon frérot? Un peu triste pour toi, hier j'ai regardé en replay ton live et même ma femme s'est moquée de toi. Aucun respect. Aucun respect. Non, ça va beaucoup mieux, t'inquiète. Ça va beaucoup mieux. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a aussi une quête optionnelle ici qu'on va aller faire. Ça nous permet toujours d'avoir des récompenses supplémentaires, donc on ne s'en prive pas. Si vous allez par là, ça vous embêterait pas de chercher le chef Tullio? Ça fait à peu près une heure qu'elle aurait dû revenir avec la Nadia. Elle est peut-être blessée. Pas de problème, j'ouvrirai l'œil. Ah, ils leur ont mis un accent? C'est magnifique. Merci, c'est gentil. Ces mineurs ont une rue de journée. Alors on va leur mitonner. Oh, une rue de journée. Pour les requinquer. Pour les requinquer. Allez, on va aller voir. Donc c'est, il manque un chef cuisinier. Je capte un message radio. Oula, avec la fourrure et les oreilles. Dites-moi donc, que diriez-vous de participer à la création du nouveau plat du siècle? Avec plaisir. Ne répondez pas, c'était une question purement rhétorique. Contentez-vous de grimper à la crête de cristal qu'on avec puisse plaisir. Commencer. Le chef Tullio, je présume? Elle n'a pas l'air blessée. Je me demande ce qui l'empêche de rejoindre les mines. Oh, une faille. Let's go, on va faire la faille. Il y a vraiment un bon humour sur ce jeu, c'est ouf. Ça commence, ça concurrencerait presque Borderlands. Borderlands, c'est particulier, je trouve, comme humour. Alors que là, c'est vraiment de l'humour grand public, mais qui est vraiment drôle, quoi. Allez, on a récupéré le Raritarium, on est bien. On va se faire cette petite... Toi, c'est ciao. Est-ce que j'ai utilisé une munition juste pour un petit chien? Oui, tout à fait. Alors, j'aurais juste pu faire ça. Alors, attendez, parce que là, il faut faire quoi? Ah, c'était invisible, c'est ça? Mais alors, comment les faire visibles? Ok, donc là, il y est. Nice. Mais maintenant, comment on sait où c'est? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut tirer au pif. Waouh! C'était limite. Oh! Ok, ça n'allait pas. Alors, comment? Non. Est-ce que les caisses représentent des angles, peut-être? Ou alors ça? Non. Est-ce que les caisses représentent des angles? Vous voyez ce que je veux dire? Genre là. Là on peut y aller. Là on peut pas. Là on peut. C'est vraiment très très chaud. Là on peut. Ah. Ok. Là on peut. Ok. Là on saute ici. Nice. Mais je suis pas sûr de faire la... Ah d'accord. Tout s'explique. Il y a juste à faire ça. Beaucoup plus simple hein. Ah d'accord. Alors ça j'avais pas compris, ça dure pas longtemps. Ça dure pas très longtemps. Voilà. Donc il faut aller le plus vite possible. Ici. Là. Là et là. C'est quand même beaucoup plus simple d'un coup hein, quand on fait ça. Forcément, ça change un peu tout. Ok, jusqu'ici. Là, on saute. Nice! On est au bout déjà! Et ben, c'était pas très compliqué finalement. Clan qui grave drôle, ouais, Delka. Clairement, clairement. L'accent était fou. C'était un peu la cuisinière Maïté. Alors attendez, on vient de découvrir une armure en entière. On va peut-être essayer de la mettre. Mais dans une autre couleur. Vu que c'est une... Elle va être un peu girly, notre petite pote là, notre petite rivette. Ça vous va? On l'a fait un peu girly? Alors soit blanc et rose.
Comme on a fait d'ailleurs avec, avec le casque. Hop là, pardon. Comme on a fait d'ailleurs avec le casque, j'étais en train de dire, blanc et rose. Ou alors... Et les jambières, pardon. Les jambières, blanc et rose. Donc soit on l'a fait comme ça, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Soit on l'a fait en full rose. Mais c'est peut-être un peu moins sympa, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est un peu trop là. Là c'est un peu too much, c'est même pas très joli quoi. C'est même pas très joli, pardon. Je trouve que c'est même pas très joli, je préfère blanc et rose. Voire violet comme ça, ça a l'air bien sympa aussi d'ailleurs. Ouais, je fais beaucoup de personnalisation, ouais. Ça sert à rien, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Pas si mal. Pas si mal. Non, mais j'aimais bien blanc et rose en vrai. J'aimais bien blanc et rose, honnêtement. Comme ça, là, je trouvais ça très sympa. Nice. Ça lui fait une superbe armure. Ça lui fait une superbe armure. Dégâts au corps à corps augmentés de 20%. Bon, bah, superbe. Superbe. Mais là, on peut mort Power Ranger. Mais je la trouve très belle comme ça. Voilà, je la trouve très très belle. Vous ne la trouvez pas belle? Vous avez intérêt à la trouver belle, la petite Rivette. Vous avez intérêt. Ok, donc on a terminé ce passage. Par où sortir désormais? Ah, il y a juste... Ok, y a maintenant tous les trucs sont visibles. Donc ok, pour ressortir, on part là-bas. Puis là-bas. Ils auraient pu nous le mettre à l'aller, hein, ça aurait été plus simple. Ça aurait été plus simple. On ressort de la faille, on va aller chercher la cuisinière Maïté, pardon. On va aller la chercher. Elle nous a dit de rentrer dans la caverne. Alors, de quelle caverne parlait-elle? J'imagine qu'il fallait aller là-bas. C'est quoi ça? Ça se casse? Ouais, c'était que pour des boulons. Oh, des goodness! Oh, des goodness! Ça, c'est un peu emmerdant. Ça, c'est un peu emmerdant. Le collisionneur de Négatron qui sert extrêmement bien de sniper. Voilà, c'est fait. Là, je suis presque sûr que cette grotte nous conduira à la crête de cristal. D'accord, bon, on va y aller. Là, on passe ici. Ah non? Ah oui, si, c'est ça, c'est bien ça, c'est juste que j'y suis allé trop tôt. Et ensuite, la grotte. Attendez, il y a des choses à récupérer là où ça se voit. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, vous êtes d'accord avec moi, vous êtes toujours d'accord avec moi. Hop là! Ça, je l'avais pas prévu. Voilà. Et là, on est bien. Là, on est mieux. Maintenant, on va aller dans la grotte. On va aller la trouver, cette petite Maïté. On va aller la trouver. Caverne des frelons. Ça fonctionne bien. Oh non, je l'ai raté là, vraiment. Je suis le pire viseur. Je suis le pire viseur. Ok, nice. Celui-là, c'est bon. On va devoir changer de dimension désormais pour trouver la cristaux. À mon avis, il n'y a pas d'autre solution pour franchir ce gouffre. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on a d'ailleurs du quelque chose à récupérer dans cette dimension-là? Non, visiblement pas. Donc on part là, on saute là-bas. Jusque-là, c'est pas très compliqué à comprendre. Et là, du coup, oui, on est dans la dimension de Nefarious. Hein, donc forcément, il y a les petits potes de Nefarious qui sont là. Où il est? Il est là. Je vais prendre le collisionneur de Négatron, ça fonctionnera mieux pour là. Quoi? Elle est pas morte? Enfin, il est pas mort. Voilà, c'est fait. On saute là-bas et on continue. On a donc traversé... Alors attendez, est-ce qu'il n'y avait pas un Ritarium ici? Non. Des géosauteurs dans les parages. Ah, attendez, qu'est-ce que je viens de voir là-bas? Il y a des choses à récupérer là-bas. Mais comment y aller? Ça sera peut-être pour plus tard. Ça sera peut-être pour plus tard, mais j'espère, parce que j'aimerais bien aller récupérer ce boulon doré. Ok, alors, dans cette dimension-là, qu'est-ce qu'on a d'autre à prendre? Ah, regardez, c'est ça. On part là-bas, et ici, on récupère le boulon doré. Si je ne dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Il était très bien caché. Nice, un boulon doré en plus. On continue d'avancer toutes les récoltes qu'on doit faire également. 8 sur 25 pour les boulons en or. C'est bien.
Ok. Les caisses encore. On prend les boulons parce qu'il nous en manque. Hein. Il nous manque encore une arme. Du raritarium. On en a pas mal là, je crois. Hein. Je crois qu'on en a pas mal du tout, même. On en a pas mal du tout. Ici. Ah, le chef Tullio. Je suis le chef Tullio. Tullio. Comme tous les grands artistes, j'ai besoin de souffrir pour créer mes chefs-d'œuvre. Ok. Pour préparer ma recette ultime, je dois récolter le miel syringien juste en dessous, avec cet aspidomyle. Mais cela me demande une extrême concentration. J'ai donc besoin de quelqu'un pour me défendre contre ces réfractaires à l'art culinaire. Si vous souhaitez entrer dans l'histoire de la gastronomie, actionnez ce levier pour commencer la procédure d'extraction. Alors, quel est le menu ? À vrai dire, je n'ai pas souffert ces derniers temps, alors je ne sais pas trop. Mais ça ne va pas tarder, je peux le sentir. Excellent. Salut Olympios ! Exactement, Edelka, on va la choper, la petite cuisinière, là. T'as tout compris, mon pote, t'as tout compris. Salut Olympios, le problème, c'est qu'on est avec Rivette. Bon, quoique, ça marche aussi, hein, ça marche aussi. Du coup... Qu'est-ce qu'on a à récupérer déjà ici ? Des boulons, des munitions. Là, on a quoi ? Oh non, je veux pas partir tout de suite, tu rigoles. Merci beaucoup, Gartas, pour tes 50 bits supplémentaires. Merci à toi, mon poteau. Merci beaucoup pour ton soutien, frérot. Merci beaucoup. Donc, ça, on va devoir l'activer. Merci, Edelka, pour tes 100 bits. Merci à toi. Merci beaucoup pour ton soutien également. Donc, si on l'active. D'accord. Ah, les voilà qui arrivent par la gauche. Les fameux ennemis. Appuyez sur le bouton de ce côté-ci pour activer mon piège. Ah, c'est pas mal ça. Alors j'ai eu une brillante idée. Un petit retour aux sources. Pas mal du tout. Merde, pas ça du tout que je veux faire. C'est le paratonnerre. Ok. Allez, on va activer le piège à droite, du coup, on a bien compris la logique. Voilà qui est fait. Les pièges protègent l'aspidomyle, mais ils mettent quelques instants à se réinitialiser. Il ne faudrait pas qu'il surchauffe, en vrai. Superbe. Ok, c'est pas très compliqué pour l'instant. En plus, avec le paratonnerre, ça fonctionne très très bien. Ce qui ouvrira le menu, ou comme on dit dans le monde de la cuisine, la mise en bouche. D'accord. À présent, préparez-vous pour le plat principal. On va récupérer les boulons, tiens. Et c'est parti. Ok, parce que maintenant voilà c'est... qui arrive. Ah oui. Protégez-moi pendant que je creuse. Vite, on va l'activer là-bas. Le petit piège, ah, ça régale. Le piège là-bas également. Hop là, c'est bon aussi. Toi, c'est ciao. On va faire des relais en fait, hein, des deux côtés. On va les activer. Un, puis un. Ah, il est surchauffé. Hop, on le réactive. Oh, pourquoi il n'active pas? Voilà, c'est activé. On va activer celui là-bas. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Pour être ouvert à toute éventualité, tu as raison, j'ai le cas. C'est normal que ça me donne faim. Poisson associé à un tel plat. Il m'en faut plus d'inspiration. C'est normal que ça me donne envie son plat là. Allez, pense. Je pense pas que ce soit normal. Affamés, Rivette. Il faut les aider. Waouh. Alors cela pour le coup, on est obligé de leur tirer dessus parce que je crois pas que ça te piège aérien. Ah oui, par contre, il y a toujours des mecs qui arrivent d'en bas, donc ça, il faut continuer à les défendre. On active les pièges et on tire sur les bourdons. Voilà. Ok. On va continuer à activer les pièges aussi là-bas. Vite. Ok, ça c'est fait. Ça nous aide un peu.
Attention à celui-là. On active ici. Oh, mais on est monstrueux, on est monstrueux. Oui, oui, la boisson sera... Je te jure que ça me donnait faim. ...surpifiée au magma. Mais attention, ces mineurs ont bien mérité un dessert aussi. Ouais, ça va. Il va falloir souffrir une dernière... Elle en fait combien des plats pour les mineurs, là? L'extraction finale commence. Ok, on va redescendre. On va redescendre, on active les pièges. On tue sur les... On tire les grosses bestioles. Les gros bourdons. On active le deuxième piège là-bas. Voilà qui est fait. On continue de tuer les bourdons. Le paratonnerre marche vraiment très très bien. J'aime beaucoup cette arme. Oh attention, là on est dans le jus là. On est un peu dans le jus là. Il faut activer ce piège là. Voilà qui est fait. On retourne là-bas. Ah mais celui-là il est en surchauffe pour l'instant. Là on peut l'activer. Oh attention. Attention, alors là on va utiliser autre chose. Ah mais pour le moment. Attention à celui-là. Voilà. Allez, on active tous les pièges. Tous les pièges possibles. Parce que là on est en train de souffrir. Là on a un petit moment de souffrance. Allez, faut être costaud. C'est dans ces moments-là, la pompe vidée, il y a attention, attention, attention. Ça commence à être ça commence à devenir compliqué. Voilà. Ok, les ricochets, c'est vraiment bien. Ça va le faire. Le dernier. Et c'est terminé. Même les explosions sont belles, c'est ouf quoi. C'est vraiment fou. Ah non, c'est pas terminé. Hop, le piège à activer. Et cette fois-ci, je crois que c'est bon. Oui. Le dessert sera une mousse renversée de monstres blargues au miel. Tu commences à gérer, merci Edelka. Yes, un nouveau trophée. Souffrance. Mais mon imagination est enfin sortie de cette torpeur. Mes variations culinaires autour du miel seront divines. Quelle souffrance! Vous n'avez rien fait! Je vous remercie pour votre aide. J'espère que cela vous inspirera dans votre propre domaine artistique. Elle a la conf, elle, hein? Elle a la conf. Allez, un petit robot espion! Superbe! Je suis contente que les mineurs puissent enfin se remplir l'estomac. Bon, comment... 2 sur 10 avec le robot espion. Et qu'est-ce qu'on pouvait en faire déjà des robots espions? Blizzard 1. Blizzard 1 est une exploitation minière de niveau Regongo considérée comme la principale source de cristaux de blison de la galaxie. Intégrée à des condensateurs haute tension, cette matière était autrefois répandue dans les ordinateurs, les vaisseaux et les oupinateurs. Aujourd'hui, en revanche, ce minerai rare est principalement expédié au centre de recherche de l'empereur sur Cordélion pour de sombres projets. Soit dit en passant, quand la crise dimensionnelle a démarré tout à l'heure, les communications avec les mineurs ont été coupées et les livraisons prévues n'ont pas pu avoir lieu. Madame Zurkon pense donc que Blizzard n'est peut-être pas l'endroit le plus recommandé actuellement. Merci pour les informations. George Russell est annoncé à chez Mercedes, les amis, d'ailleurs, au passage. Voilà 10 ans que Corson 5 est tombé et que cette abomination a surgi de ses cendres comme une pustule blarienne. L'empereur avait promis la paix et la sécurité. Mais tout ce que Madame Zurkon a obtenu, c'est l'oppression et des composants électroniques un peu moins chers. Les voyages vers d'autres mondes sont strictement limités, tout comme les libertés civiles. Cependant, entre la colère, le désespoir et cette architecture hideuse, il y a du positif. C'est ici qu'est née la résistance. Excellent, 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 excellent. Style d'échange avec Bottas comme il va chez Alpha l'année prochaine. Alors non, du coup, ça n'a rien à voir, Jérémy, puisque Valtteri Bottas part chez Alpha Romeo et Russell vient de chez Williams et il part chez Mercedes. Donc, c'est pas un échange. C'est pas un échange, pour le coup. Ce Security Taxi devrait faire l'affaire. Ok, on peut repartir d'ici. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'on a autre chose à trouver dans le coin ?
Je crois que c'est ok hein. Alors attends, parce qu'il me dit qu'il y a des... C'est où que vous voyez du blison, vous, ici? Où est-ce que vous voyez du blison? En dessous? Ah, on peut aller en dessous? Ah oui, mais c'est d'où on vient, en fait. C'est d'où on vient. Ok, donc on a terminé la quête... Ah non, ah si, repart en empruntant l'ascenseur. Si, si, c'est ça. C'est ça, donc on a plus qu'à remonter. Prendre l'ascenseur, on se casse. Et on finit cette mission. Je me demandais qui cuisinait le mieux. Ah oui, d'accord, Jérémy, effectivement. Oh, il n'y a pas de compétition entre nous. C'est toi, pas vrai? J'en étais sûr. Ok, nice. Du coup, la quête optionnelle est terminée. Oui, c'est ça. Trouve le chef cuisinier disparu, c'est terminé. On va donc continuer notre petite quête principale, nous, de notre côté. Ah, une petite Madame Zurkon ici. Donc on va améliorer les armes. On en a 16. Oh, ça, c'est très très bien. Ça, c'est excellent. On en était au ricochet. Voilà ce qu'on est en train de faire. Prolonge le délai imparti. Superbe. Chaque rebond soutient des ballons supplémentaires à chaque ennemi. Excellent. On a débloqué une amélioration de plus. Maintenant, l'arroseur, lui, il est à jour. Et l'excavateuse, pour le moment, il n'a pas encore à trouver. Et puis, pour le coup, j'ai vraiment pas trop utilisé. Donc, le pistolet mitraille, on se disait, il est à fond. Le collisionneur, on a tout ce qu'il faut en cellule orange pour l'instant. Le paratonnerre, voilà quelque chose à faire. La durée de l'étourdissement. Cadence de tir. Quantité maximum de munitions. Et quantité maximum de munitions augmente la portée des tirs. Superbe. Donc les cellules oranges ici c'est bon, 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 et ici il n'y en a pas. Donc on n'a plus qu'à améliorer là ce qui nous reste pour le moment en attendant de débloquer d'autres choses. Le collisionneur des négatrons, chaque tir se charge plus rapidement, la quantité maximum de munitions, le paratonnerre on va lui mettre la cadence de tir, et il va nous en rester un pour le dianomite. Champitron tire plus rapidement. Voilà qui est fait. Merci de ok, on est à jour sur les améliorations. Je crois que nous c'est hyper satisfaisant d'améliorer les armes, je trouve. Merci pour les nouveaux followers et bienvenue à vous en tout cas. Dimension. Boulon, concentre-toi. Boulon, non mais oh. On l'appelle Clank, on l'appelle pas Boulon, Rivette. Vous cherchez l'ingénieur en chef? Prenez l'ascenseur pour accéder au site. Merci. Let's go, on prend l'ascenseur. Oh non. Aïe aïe aïe. Il est en train de se passer des dingueries dans toutes les dimensions. Tiens, ça doit être l'ingénieur en chef. Et il est où l'ingénieur en chef? Bonjour. Vous entendez ça? Non. Des voix. Ça fait pas très longtemps que je les entends, mais à chaque fois c'est au même endroit que ces trucs violets. D'abord les séismes, le blison, et maintenant ça. J'entends rien du tout, sauf quelqu'un qui vous demande si vous allez bientôt extraire du quartz phasique. Pas tant que ce mystère n'aura pas été résolu. Si ça se trouve, tout le site de forage est hanté. C'est pourquoi j'ai envoyé mes robots scientifiques scanner ces choses violettes. Et alors? Il faut que j'aille les récupérer. Quand il n'y aura plus de danger. Pourquoi ouais. Attendre? Je vais trouver les robots et les ramener ici. Voilà, exactement. On va accélérer les choses. C'était un message de ta dimension, peut-être envoyé par la personne que nous avons rencontrée. Ils nous aideront peut-être à comprendre ce qui s'est passé là-bas et à éviter que ça se produise ici. Exactement. Donc on va pouvoir faire ça. Alors, on récupère tous les boulons, comme d'habitude. Et désormais, on va aller... libérer les petits robots. Alors attendez, là-bas, il y a quelque chose. Non, on peut pas la choper d'ici. Ça me paraissait bien loin. Donc, nous, on repart là-bas. Là-bas, il y a du raritarium, c'est excellent. Ça ne se casse pas. Les robots ont dû suivre les chemins balisés. Je suis sûr qu'ils écoutent ce qui provient de ces choses violettes. Les secousses sont de plus en plus fortes. J'avoue que les secousses, c'est pas rassurant. C'était trop demandé de trouver du quartz phasique sans devoir survivre à des séismes et à de la lave. J'avoue. Ok, lui, c'est bon. On part là-bas. Est-ce qu'on a autre chose ici à récupérer?
Salut Minigo, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi aujourd'hui, mon pote. Salut à toi, poteau. Qu'est-ce qu'on a ici? On a surtout des crabes. On prend du petit ricochet. Excellent. C'est bien pratique à distance, ces ricochets. Hein. Alors attendez, on va pas sortir maintenant. Ah, là-bas, tiens. On est bientôt niveau 5, c'est bien, ça va augmenter nos maximum de... Oh merde! Oh merde! Aïe! Vraiment que j'arrive à esquiver ces trucs, hein. Pour le moment je fais n'importe quoi à chaque fois. Voilà, cette fois on perd pas de vie. C'est bien mieux. Là-bas, il y a du raritarium, on le prend. Il y en avait 4, excellent! Voilà, regardez, parfait. Un de mes robots est là-haut. C'est... Là-bas, il y a autre chose à récupérer. On y va. On prend tout. On prend tout, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Pas de soucis, Olympio. Salut à toi, poteau. Sur ton écran vertical. Alors, pardon, excuse-moi, j'ai pas vu ta question. Dis-moi. Dis-moi tout, j'avais pas vu ta question. Excuse-moi, mon pote. Oh non. Salutations. Ça c'était nous évident. Un très grave danger. Suivez-moi. OK. OK, je te suis. Oh non. Quelle catastrophe. OK. Merde, je suis dans la merde là. L'odeur du poil brûlé est horrible. L'odeur du poil brûlé. Le blison. OK, le blison. Et maintenant ? Alors attendez, là-bas il y a du raritarium qu'on va aller récupérer. Superbe. Un raritarium de plus. Maintenant on part par là-bas. Ok. C'est pas faux. C'est pas faux du tout ce que tu viens de dire. Lui c'est bon. Lui c'est ok. Lui également. On est propre. On est propre. Allez, le petit saut de l'autre côté. Tu vas avoir besoin de modérateur Twitch apparemment. Tout à fait, aider le cas, j'ai vu aussi. J'ai vu aussi. La marque et le prix que tu as payé, j'avais prévu d'en prendre un pour faire mon setup, mais j'aurais voulu connaître le budget. Mais écoute, là c'était un Samsung basique que j'avais récupéré de chez mes parents. Et qui pouvait se mettre en vertical, hein. C'est tout, hein. Sur un pied, en fait, tu peux le pivoter. C'est tout. Mais honnêtement, je saurais pas te dire le prix du coup, parce que je l'ai récupéré chez mes parents. Mais c'est pas un écran spécial vertical, si tu veux. Là, d'ailleurs, je l'ai remis en horizontal, parce que j'ai changé un peu la configuration de mon bureau. Mais à tout moment, je peux le remettre en vertical. Si seulement je pouvais transpirer, je dois fuir. Si seulement je pouvais transpirer. Je vais lui envoyer un signal pour qu'elle revienne. Je vois qu'elle a intercepté un fichier audio. Je le décoderai au plus vite. Il y a okay. Un ancien labo un peu plus loin. Connaissant Jim, c'est là qu'il a dû se rendre en premier. D'accord. Ah, je vois, un autre robot. Forcément. Compris. Forcément. Un ancien labo un peu plus loin. Je pense que je dois redescendre par ici. Oh, il y a du beau raritarium là. Il y a du très très beau raritarium. Exactement, Olympio, c'est tout à fait ça. Ici, il y a du raritarium. Je pense que ça dépend du pied en fait qui est avec, tu vois. Qui est avec l'écran. Ok. Ok. Niveau 5, les amis, avec Rivette. 10 PV en plus, on est à 50 désormais. Wow! Allez, je fais un petit peu de corps à corps parce que mine de rien, ça fait pas mal de dégâts. Mine de rien, ça fait pas mal de dégâts. Ok, est-ce qu'on a autre chose à récupérer? J'ai toujours peur de rater des trucs en fait, c'est un cauchemar. J'ai toujours peur de rater des trucs. Ouais, Olympios, le jeu est assez fou. Le jeu est assez cool, ouais. Et il était très attendu, effectivement. Et pour le moment, de mon côté, en tout cas, c'est absolument pas une déception. Absolument pas. Ok, donc le labo, ça doit être ça. Qu'est-ce qui se passe? Oh non. Oh, c'était moi une. Oh non. Là, derrière la vitre. Ok, derrière la vitre. Mais comment passer derrière la vitre? Un petit peu de logique, j'imagine.
Quoi que non, je pensais que ça allait être un petit peu de logique. Finalement, c'est très logique. Écoutez, est endommagé et détruira. Ne prenez surtout pas ce risque. Peut-être eh ben si. Qu'elle fait référence au protocole de sécurité. J'y suis moi-même assez réfractaire. Il peut s'agir de n'importe quoi. J'y suis moi-même assez réfractaire. D'accord. Ah ouais, Olympios, hésite pas, hésite pas. Bonjour Jim. Non. Tu devrais plutôt rejoindre l'ingénieur en chef. Exactement. Demande d'amitié refusée. Demande d'amitié refusée. Retour à l'ingénieur en chef. Oh. Toudou, Jim. J'espère qu'il a bien intercepté des messages interdimensionnels et qu'il a pas passé son temps à chercher des amis. Identification, entité hostile. Bonjour. Êtes-vous mon meilleur ami? J'aime vraiment beaucoup le l'humour de ce jeu, hein, qui est assez énorme, hein, qui est assez génial. Ok, ah oui, mais attendez, il faut peut-être que je repasse dans l'autre dimension. Ou je peux repartir là directement. Non, je peux peut-être repartir là directement, en fait. Non, normalement, c'est bon. Salut Antonino, ça va et toi, mon poteau? Tu vois quelque chose par là? C'est pas un gars à l'eau, hein. Putain. Ils sont de partout, eux. Ils sont de partout. Les gars, nice. Zéro et les autres, je compte même plus. Nice, nice, nice. On s'en sort bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre à récupérer? Je pense qu'on a ça à exploser. Enfin, voilà. Presque tous ceux que je rencontre sont des agents de l'empereur Nefarious. Ah, tu marques un point. Ok, let's go. Ouais, une claque ce Ratchet, clairement. Clairement, il est vraiment fabuleux pour l'instant. Il est vraiment fabuleux. Ok, on repasse là. Les plateformes de forage. Ou du moins ce qu'il en reste. Wouhou ! Le paratonnerre. Ok, c'est bon. Donc maintenant, le robot à trouver. Alors attendez, déjà il y a des petites caisses encore à casser. Là où il y a du raritarium, on ne va pas le rater, celui-ci non plus. C'est trop important. Trop important. Je peux pas m'empêcher de kiffer. Mais kiffe, vas-y, kiffe Antonio. Salut c'est vous, ça va et toi? Hâte de pouvoir jouer au nouveau Ratchet & Clank. Et ben voilà, décidément tu peux le voir en avant-première. Salut Jordan, ça va très bien et toi poteau? Ok. Hop là, du raritarium en plus. 3 pour ce coup. Et là-bas, il y en a aussi, mais il me paraît un peu loin. Il me paraît un peu loin, et d'ailleurs, il y a une pièce d'armure aussi. Comment l'atteindre? Comment l'atteindre? Pour le moment, ça me paraît un peu compliqué. On reviendra sans doute par ici, bien sûr. On reviendra sans doute par ici un peu plus tard. Nous, on va continuer la mission. On va continuer la mission. Qu'est-ce qu'on avait à faire d'ailleurs, maintenant qu'on est là? Ah, d'accord, il est là-bas. Tiens, le robot. Regarde, le robot est bien sur la plateforme, là, à droite, juste après le pont détruit. Oui, on l'a Comment vu, on l'a pouvons-nous vu. Le rejoindre? Comment pouvons-nous le rejoindre? C'est pas comme si on avait toujours le même schéma depuis tout à l'heure, quoi. Oh, la grue a déplacé le cristal. Ah, voilà, d'accord. Qui pourrait nous être utile pour atteindre notre robot. Donc on le met là-bas. Nous, ce qu'on va faire... Ah, ça c'est adorable, Antonino. Ça c'est adorable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on passe là. Ici. On prend le raritarium. Il y en avait deux de plus. On repasse dans notre dimension. Et on récupère le robot. Excellent. Et on peut retourner voir l'ingénieur en chef. Ben vas-y, vas-y, on te suit. Toujours à se chercher une personnalité. Merci. On aura bientôt reconstitué tout le message. Écoute Jordan, on a rechargé les batteries pour la F1, ouais. Ça devrait le faire pour ce soir. J'espère que ça ira bien. J'espère que ça ira bien. Est-ce qu'on peut passer là-dessus? Ah non, d'accord, c'est un câble qui tire automatiquement, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh non, infestation. Oh là là, ça sent mauvais. C'est moi qui ai
conçu ce système de sécurité. Oh, c'est avec les failles. La pièce. Oh, mais quel nul. Le plafond. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Ça va sortir des failles. Colosse venu d'ailleurs. Waouh. Ah ouais, c'est pas le petit truc, hein. Vous le savez, dans ces moments-là, c'est les champignons qu'on va mettre de partout. Les champignons, on en met de partout. Ceux-là, ils vont faire du bien, ils vont faire le taf. Ils vont faire le taf, regardez-moi ça. Aïe. Voilà, on n'a plus de munitions désormais. Maintenant, on va se prendre la bombe à dispersion. Attention, ça, on esquive. On se casse d'ici avant qu'elle nous fasse un truc pour nous. Voilà. Allez, la bombe à dispersion qui fait mal. J'ai pas esquivé le laser, j'ai été un peu con. Wow, 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 wow. Wow. Calmez-vous. Mais wow. Nous sommes en flagrante infériorité numérique. Ouais, là on est en infériorité numérique, il va falloir vider un petit peu la salle. Donc dans ces cas-là, le paratonnerre est notre allié. Voilà, le paratonnerre, ça fait toujours du bien, ça vide un peu tout. C'est très très bon. Ok. Merde, je me fais encore avoir là-dessus, comme un idiot. Allez, on change d'arme, on va prendre le collisionneur de Négatron. On esquive, on esquive, on esquive. On se casse d'ici. On se casse d'ici, on se casse d'ici. On continue de faire des dégâts, ça, ça dégage. Voilà, ça, ça fait pas mal de dégâts, hein. Aïe. Et là, c'est ciao. Aïe. Allez. Wow, 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 wow. Je suis en train de prendre cher, là. Attention. Ricochet. Voilà qui est fait. On a plus que 4 PV, hein. Les graphismes sont vraiment ouf, ouais. Les problèmes de ce genre de jeu, c'est comme The Last of Us. C'est un jeu que j'adore, mais tu joues 50 heures et le jeu est fini. Quand tu dois mettre 70 euros, c'est frustrant. Quand tu vois que d'autres jeux peuvent être joués 30 jours sans jamais avoir réellement de fin. Tout à fait, Olympio, je suis d'accord avec toi. Pour finir à 100%, il faut peut-être plus de 50 heures. Oui, mais c'est pas forcément le but de tout le monde, tu vois. Il y a des gens qui aiment juste faire l'histoire et ensuite qui passent à autre chose. Donc effectivement, les jeux solo, c'est un peu ce problème-là, alors que t'as des jeux en ligne auxquels tu peux jouer des heures, des heures, des heures, des heures et des heures sans jamais t'arrêter. Je comprends la réflexion. Après, je pense qu'il faut savoir faire un peu des deux. Les jeux solo que t'as envie de faire, tu t'en prives pas, quoi. Alors, la quête principale, donc... Qu'est-ce qu'on doit faire, pardon? Suis Jim. Ah, il est là-bas. Allez, on le suit. Bonjour, êtes-vous ma nouvelle meilleure amie? Toujours pas. D'accord. Bruit de bonheur. Bruit de bonheur. Amitié, je vous conduis à la foreuse dédiée à l'extraction de quartz basique. Excellent ça. Par contre, où est le... Ça, on va le prendre. Hein. Ça, on va le prendre au passage. Oh, je sens mal. Cette anomalie dimensionnelle est identique à celle que nous avons vue sur Sargasso. Mm-hmm. Ça veut dire que tu peux t'en charger? En ma qualité de meilleur ami, je vous informe que l'intégrité dimensionnelle a pu affecter la foreuse. Comment ça? En ma qualité de meilleur ami, je ne souhaite pas vous alarmer. Aussi, je n'en dirai pas davantage. À la place, interlude musical. D'accord, excellent. Interlude musical. Personne n'utilisera la foreuse tant que le système de lubrification sera bouché. Ça me fume l'humour de jeu. Karaoké ensuite. Aimez-vous le karaoké? Si vous n'aimez pas, je n'aime pas non plus. Excellent, quelle personnalité. On va améliorer les armes, on va en profiter avec Madame Zurcon. Bien sûr. On a de quoi acheter le vacu répulseur. C'était quoi? C'était le bouclier, hein. Ouais, c'est ça. C'est le bouclier. Donc celui-là, on l'achète. Let's go. On a bientôt toutes les armes, je pense, non? Je sais pas. Bon, il y a 2 roues complètes à faire, je pense. Donc on a encore de quoi faire. On a 22 raritariums à utiliser. Est-ce qu'on a des cellules oranges à débloquer? Un besoin urgent d'amélioration. Non, donc on va continuer d'améliorer au max tout ce qu'on peut. On va commencer par le vacuorépulseur, augmente la quantité maximum de munitions. Pareil ici, pareil ici. Augmente la zone d'effet des déflagrations, la cadence de tir, la déflagration, cadence de tir et cadence de tir. Ensuite, le dynamite, là-dessus il faut qu'on améliore encore. Champitron tire plus rapidement, tire plus rapidement, tire plus rapidement, tire plus rapidement et tire plus rapidement. Plus de chances de le viser en retour, pareil.
pareils et le nombre de coups pouvant être tirés par champitron. On est à 100% pour les champitrons et ça c'est une excellente nouvelle. Ça c'est une excellente nouvelle. T'inquiète, on est remonté à 5 PV, Delka, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. C'est sûr, tu as raison, mais c'est toujours le point négatif qui me rebute à acheter des jeux solo, mais celui-là a l'air de vraiment valoir le coup. Ouais, et puis après, tu peux les faire à 100%, ça te prend du temps, hein, effectivement. La bombe à dispersion augmente la cadence de tir, la cadence de tir. La bombe à dispersion se dépasse plus vite dans les airs, plus vite dans les airs, cadence de tir. C'est bien. On continue de tout améliorer petit à petit. Alors attendez, c'est dur à... Ah oui, il faut vraiment appuyer un tout petit peu. Tu te balades comme ça et ensuite, bam! C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh là là, les failles dimensionnelles, elles font pas rire là. Les failles dimensionnelles, elles ne font pas rire du tout. On va réparer l'anomalie, bien sûr. Prêt à résoudre un autre problème dimensionnel? Je m'en occupe. Allez, Clank, c'est parti. C'est parti, Clank. C'est à toi de jouer, Clank, avec Gary. Je viens de voir Ratchet sur sa valise. Vraiment? Et comment va-t-il? Bien, moins costaud que je le pensais. Mais parfaitement héroïque. Moins costaud que mais je le pensais. Mais je digresse. Tes possibilités attendent que tu les quittes jusqu'au méta-terminal. Avec un tel vent, mes possibilités sont dans l'incapacité d'avancer. Existe-t-il un moyen de les lister? Ensuite... Ah oui, avec un tel vent, d'accord. Donc ça, il va falloir que j'en fasse quelque chose. Si je me mets devant, ça les protège? Absolument pas. Donc on va juste aller récupérer les caisses là-bas pour avoir un peu plus de boulons. Et ensuite... Et ensuite, on va se concentrer. Qu'est-ce qu'on a à faire? Là-bas, on a une boule à récupérer, donc on va y aller. Il y en a même deux. On prend celle-là. Une sphère de poids, elle va sans doute ici. Ce qui paraît évident quand on... Merde, je sais plus comment on la met dedans. R2, c'est ça. Ok. Je suis curieux. On récupère celle-là. Oh, oh, c'est le recueil de savoir le plus actualisé de l'univers. Tel que constitué par mon père. Qui est votre père? Ok, nice. Le parfait. Le plombier, c'est votre père. Ah, et moi je vais là-bas. Que devient-il? Il est parti en vacances. Pour la première fois. Il m'a laissé les clés et j'essaie de... Ah non, il faut que j'aille d'abord valider tout ça. C'est une énorme responsabilité, même quand l'univers n'est pas en danger. Je vais d'abord casser tout ça. Ah mais je ne peux pas le casser comme ça? Je suis bloqué. Cette scie devrait m'aider à dégager le passage. Ah d'accord, donc il faut qu'on récupère la sphère là-bas. Ok, qu'on la mette ici. Ça casse tout, on le récupère et on la met là-bas. Et là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, le mystère est résolu. On n'a plus qu'à se mettre là-dessus. Ce titre de prophète. Oh, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Et normalement, c'est tout bon. De Savali qui me l'ont donné quand je les ai aidés à déchiffrer une partie de leur... Normalement, c'est tout bon. Comment les y avez-vous aidés? Oh, tout ce que j'ai fait, c'est énuméré ce que j'ai vu. C'est un annuaire téléphonique blarguien. C'est une dent de Kershou. C'est un poème romantique de Terraclan. Alors, il faut que j'écrive ça, car c'était tout simplement phénoménal, Clank. Il n'en reste plus que deux. Ah, excellent, merci Gary. Le jeu est sympa, mais avec Zur, ça le rend encore plus cool, sinon on serait pas tous là. Regardez un mec jouer, merci. Comment Nico, c'est adorable, merci beaucoup, poteau. Ça va, elle a piraté mon cerveau pour fouiller ma mémoire. Waouh. Ainsi que s'occupent les jeunes de nos jours, je me sens tellement vieux d'un coup. Ok, alors cette fois-ci, on va réfléchir un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que Ratchet et Rivette sont étonnamment différents pour des doubles dimensionnels. Ratchet n'éprouvait aucune méfiance à l'égard des robots quand nous nous sommes rencontrés. Donc ça, il faut que je puisse aller la récupérer. C'est peut-être ta dimension qui diverge. Peut-être que tous les Ratchets des autres dimensions n'aiment pas les robots non plus. Ouais. Donc on va commencer par monter là. Ça, jusque là, c'est logique. Ça, on prend. Ça, c'est le truc de légèreté. Donc, on va pouvoir aller la mettre là-bas. Jusque là, c'est logique. On saute ici. Pour aller récupérer celle-là. Sphère de poids. La sphère de poids, on peut la mettre... Ah non, surtout pas là-bas. Non, non, je fais n'importe quoi, sinon ça bloque tout. Surtout pas là-bas. La sphère de poids... Je pense qu'on doit aller la mettre là-bas. Ok. Comme ça on la stabilise. Là-dessus je pense qu'on est bon.
Ça, on la reprend. Et on la met. Merde, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Oh putain. Je vais la mettre. Non ! Mais je crois qu'il y a d'autres sphères à trouver. Voilà. Là-bas. La sphère de légèreté. Mais elle est passée où, la sphère de poids ? Ah, on l'a récupérée. Sphère de poids, elle continue d'aller là-bas, comme on l'avait mis de base. Voilà. Là, on va pouvoir passer. Là, on va pouvoir passer tranquillement. Regardez-moi ça. On a l'espace. On récupère la sphère de vitesse. La sphère de vitesse, on la met là-bas. Cette sphère-là, on la récupère. Et on la met ici. Merde. On doit avoir une sphère en plus. Si bloque le passage. Si seulement je pouvais trouver un moyen de la baisser. Donc attendez, mais le problème c'est que si je prends la sphère de poids là. Ah mais oui, je. Ah non. Attendez, c'est quoi comme sphère là? La sphère de vitesse? Mais elle est où ma sphère de poids en fait? Ah mais putain, je suis con, elle est là. Donc non, la sphère de vitesse, on la garde là-bas. On ressort par ici. Voilà, la sphère de poids elle est là, on la récupère, on la met sur la scie. Et c'est tout bon. Bravo. Let's go. Je n'aurais jamais pensé à utiliser la sphère comme ça. Salut Damien, comment vas-tu? On se téléporte à la sortie. Et on continue, je crois qu'il reste encore une étape. Celui-ci, il est que sur PS5, Damien. Il est que sur PS5, malheureusement. Eh bien, ils sont tous deux très pronts à. Après, c'est aussi pour ça qu'il est si bien optimisé pour la PS5, je pense. Qui ai tendance à m'empêtrer dans les détails. Tu aimerais peut-être fonctionner différemment. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai que j'apprécierais de ne plus m'inquiéter autant. Une sphère de poids. Où est-ce qu'on peut la mettre, la sphère de poids? Ouais, ici, je pense. Pour éviter le vent. Voilà, donc on avance. Là-bas, on a une autre sphère à récupérer. Mais comment passer? Pour l'instant, on peut pas vraiment. Donc, il y en a sans doute une autre qui se cache quelque part. Ici. Sauf que pour ça... Pour passer là, il nous manque quelque chose, là. Il nous manque quelque chose que je n'ai pas encore vu. Mais quoi? La sphère de poids, pour le moment, ça sert à rien de la mettre là, à mon avis. Ah, voilà, on va enlever ça. Pardon si j'interromps ton processus, mais je crois que... Oui, oui, on a compris. Calme-toi, Gary, calme-toi. La truc de légèreté. Ça, on va la chercher pour la mettre là-dedans. Pour que ça reste en haut. On va récupérer la sphère qui est là-bas. Voilà, sphère de vitesse. Je crois savoir comment t'aider avec cette tendance à t'empêtrer dans d'infinis détails. Il faut être plus confiant. Que voulez-vous dire? S'il y a une chose que mon père m'a apprise, c'est avoir l'air de savoir ce que tu fais peut te mener loin dans la vie. Ça... On écoute Gary en même temps. Ici, c'est bon. Non, c'est pas là qu'il faut la mettre, je pense. Je suis pas sûr que ce soit là qu'il... Bah si, c'est là qu'il faut la mettre, non? Donc si, ça a l'air d'être là qu'il faille la mettre. Le problème, c'est qu'après, ils passent là. Mais ils ne peuvent plus passer là puisqu'ils sont déjà trop lourds. Donc il y a un problème. Attendez, il y a quelque chose que je comprends pas, là. Là, ils sont lourds, donc ils avancent, ils esquivent le vent. Le problème, c'est qu'ici, ils sont keblo aussi. On va devoir prendre une sphère de légèreté. Mais pour la mettre où? Si on la met là, il se passe quoi? Il se passe rien, évidemment. Comment les faire passer ici? Alors que là, ils sont trop lourds. Donc si on met la sphère de légèreté ici, peut-être? Regardez. Sphère de poids, sphère de vitesse. Si on met la sphère de légèreté ici, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est ça, ils passent par-dessus. Ensuite, ils arrivent ici. Là, on met la sphère de vitesse.
là-dedans. Puis, enfin, la sphère de poids, là-dedans. Et là, je pense qu'on est OK. Voilà, superbe. Superbe. Et ça passe. L'anomalie de bizarre est enfin réparée. Ouais, il est magnifique, Damien, ouais, vraiment. Merci beaucoup. Let's go. Salut Nicolas, ça va et toi? La nuit a été bonne, on a oublié un petit peu le volant, ça fait du bien. Ok, ça passe. On peut désormais sortir d'ici. Et je crois qu'on a réparé l'anomalie de la planète. Maintenant on s'occupe du bouchon. Ok, débouche le système de lubrification qui est ici. Parce que j'ai envoyé des meilleurs techniciens réparer le système. Let's go! Ça y est! Le système fonctionne à nouveau! Merci Edelka. Let's go, ça fonctionne! Nous devrions pouvoir utiliser l'ascenseur. Cette fois, à nous le quartz phasique. Merci beaucoup Damien pour tes 100 étoiles. Merci à toi mon frérot. 100 étoiles et 8 semaines d'affilée de ton côté. Merci beaucoup mon Damien, t'es un amour. T'es un amour. Merci à toi mon poteau, tu régales. Tu régales tout simplement. Ok, donc on va pouvoir monter dans l'ascenseur et aller forer sans doute cette histoire de quartz phasique dont on a besoin. Il nous reste qu'à utiliser la foreuse, récupérer le quartz phasique et réparer le dimensionnateur. Clank, c'est clairement le meilleur. Au cas où l'occasion ne se représenterait pas, je tiens à te remercier. C'est pas le moment de sortir les violons, Boulon. On n'a pas encore fini. Elle me fait rire à l'appeler Boulon. Regarde, ouais. Revoilà le gang des losers. Le gang des losers. Est-ce qu'on tenterait pas l'excavateuse comme tout à l'heure qui fonctionnait bien? Ouais, je l'aime bien l'excavateuse, hein. Elle est pas mal non plus, hein. Contre les gros comme ça, regardez-moi ça. Elle est vraiment pas mal, hein, l'excavateuse, hein, honnêtement. J'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, je pense que je la sous-estime un petit peu. Je pense que je la sous-estime un petit peu. Oh, let's go sur le rail. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé sur Bizarre dans ta dimension. On le saura bientôt. Et on empêchera que ça arrive dans cette dimension. Voilà. Voilà. On est coincé là. Et on tape au bon moment pour changer de dimension. Oh, c'est magnifique. Waouh, 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 j'avais pas vu. Oh non, je l'ai raté. Merde, je vais tomber. C'est la fin. Il faut recommencer. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Quelque chose me préoccupe. Quoi? On continue. Nous ne savons toujours pas ce qui est arrivé sur Bizarre dans ta dimension. Je l'avais pas vu. On saura bientôt, et on empêchera que ça arrive dans cette dimension. Allez, let's go. Non, non, non. On est coincé. Allez, on tape ça. Voilà qui est fait. On saute, on prend ça. J'ai essayé de les prévenir, mais est-ce qu'on m'a écouté? On arrive là-bas. Ok, let's go, on est sur le rail. Ici on va taper pour continuer l'aventure. Il faut aller où? Il faut aller où? On tente à gauche. On tente à gauche, je sais pas si c'était le bon choix. Ok, nice, on récupère les trucs. On tape encore la dimension. J'imagine qu'il faut aller prendre celle là-bas. Waouh. Ah ouais, mais du coup j'ai pas tout vidé à droite. Merde. C'est ça le souci. C'était ça le but en fait. Nous sommes tout près de la foreuse principale. Allez, on y est presque. Let's go! On est sur la foreuse. Wow. Je rêve de... J'ai pas très bien géré ce passage en vrai. J'ai pas très bien géré. C'est un rêve étonnamment concret. Plus c'est concret, plus c'est réalisable. Waouh! Quelle belle philosophie. Allez, on va extraire le quartz phasique. Est-ce que ça va fonctionner? Je pense que non. On va devoir le défendre ou quelque chose comme ça. J'ai une super nouvelle. J'ai déchiffré le message venu d'ailleurs. Écoutez ça. Enfin, ça fonctionne. Écoutez, ne démarrez pas la foreuse. Oh merde. Les failles l'ont endommagé. La foreuse a détruit notre blizzard. Oh merde. Mais on vient de la mettre en route. Oh no. Abritez-vous. Merci beaucoup Jérémy pour tes 50 étoiles mon frérot. Merci à toi. Merci à toi mon frérot pour tes 50 étoiles. Bonjour à José également et Damien, je joue en mode leader de la résistance. Donc c'est pas le plus dur, c'est celui juste en dessous. C'est pas en normal et c'est au-dessus. Mais c'est pas le plus dur. Vraiment pas mal hein, cette excavateuse là, j'aime beaucoup. Hein.
Ah, je n'ai plus de munitions. On va tester le vacuum répulseur. Merde. Merde, je me trompe de touche en fait. Pas mal du tout. Pas mal du tout. Mais c'est pas le truc que je préfère non plus utiliser. On va se prendre les ricochets là. Ok. Merde. Ok, niveau de ricochet qui augmente, ça c'est une bonne nouvelle. Allez, on continue de l'utiliser. Ça fonctionne très bien. Voilà qui est fait. Oh, attention. Maintiens L2 et carré pour lancer le marteau. Mais il est où le marteau? Il est où le marteau? Ok. C'était juste ça en fait. Ça s'appelle leader de la résistance, Damien. C'est en dessous du mode très... Enfin, en gros, t'as normal, difficile, très difficile, si tu veux. Et là, je suis en difficile. Ouais, mon terreau, c'est un régal. C'est vraiment un gros régal, honnêtement. Depuis ce nouveau travail. Lui, c'est dead. Lui aussi. Lui aussi. Lui aussi. On prend quand même un peu cher, attention. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Il reste là-haut. C'est bon aussi. Et enfin celui-ci. C'est ok. Voilà. C'était le dernier. C'était le dernier, pas tout à fait. Il reste ce petit truc là. Voilà qui est fait. On va récupérer les munitions. Quelle intensité là? C'est ouf. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Je ne crois pas. Je ne crois pas les amis. Ah c'est gentil mon José, merci beaucoup mon pote. C'est un vrai régal honnêtement, c'est un vrai régal. Allez on récupère tout, on va devoir changer de dimension, ça on l'a bien compris. J'ai juste peur d'avoir oublié quelque chose comme d'habitude. Je crois que c'est bon. Arrêtez la foreuse, ah oui d'accord. Qu'est-ce qui n'est pas encore à fond? L'arroseur topière, c'est vrai qu'on l'utilise pas tant alors qu'il est excellent lui aussi. Hein. Avec la bombe à dispersion là, t'inquiète même pas que ça va faire du mal. Ok. Faut quand même que je fasse un peu gaffe parce que mine de rien, j'ai pas tant de vie que ça. Donc je pense que je vais pas trop prendre de risques et je vais finir avec... Wow. Attendez, parce que là il faut que je récupère de la vie quand même. Hein. Là il faut vraiment que je récupère de la vie. Hein. Aïe. Ça fait pas tant de dégâts hein, ce pistolet plasma, malgré le fait que je l'ai complètement amélioré. C'est pas si terrible. Le collisionneur de Mégatron, c'est vraiment celui qui en fait le plus, je crois. Ok. Oui, mais si on s'en sert pour percuter la foreuse, on pourrait la déplacer. Ok. J'ai que 7 PV, il faut vraiment que je fasse gaffe, je sais pas où il y a de la vie là. On va mettre des... Oh! Ah ok. Ok, j'ai pas eu le temps de réagir que c'était terminé. Ah là, il y a de la vie. Bon bah de toute façon maintenant c'est trop tard. Vous c'est ciao. Toi c'est ciao aussi. Toi là-bas, on te voit venir. Toi c'est ciao. Non pas lui. Ça se tue en deux coups ceux-là, dis donc. Ils sont résistants hein, quand même hein, pour résister à ça. Ok. Exactement. Ok, ça on esquive. On va mettre des champignons un peu partout, comme d'habitude, dans ces moments-là. Aïe. Dans ces moments-là, c'est important d'utiliser les champignons à bon escient. Et d'ailleurs, il est en train de prendre très très cher, le petit boss, là. On esquive tout. Oh, regardez les dégâts qu'il est en train de prendre, grâce aux champignons.
Ah mais y'a rien de mieux que les champignons hein. Let's go. Rivette. Oh non. Pas Clank. Oui. Bien joué ça. Oh non. Bon, c'est peut-être pas aussi grave que... Ça va sûrement te paraître complètement dingue, mais... Chez les Morques, des légendes parlent de quelqu'un sur Tauren 4 appelé le Réparateur. Si c'est démoli, le Réparateur peut le réparer. Dans ce cas, nous allons vérifier si ces légendes disent vrai. Ah, j'aime cette motivation, Clank. On ne pas qu'on ait sauvé Blizzard. Et si on réparait ce quartz phasique pour sauver l'univers maintenant? Bah effectivement, okay. Ça serait pas mal. Allons trouver le réparateur. Si tu as raison. On a encore beaucoup de choses à explorer hein, ici. Et que le réparateur est en mesure de réparer le quartz phasique, nous aurons réussi l'impossible. Tout les à fait. Ils m'ont toujours dit du bien de lui. Et tu peux me croire, ils sont incapables de mentir. Dans ce cas, peut-être avons-nous encore une chance de sauver les dimensions. J'aimerais juste voir une dernière fois Madame Zurkon avant de repartir d'ici. Bon, elle sera sans doute à l'arrivée lors de la prochaine planète. Les amis, il est 11h50, je ne vais pas continuer la partie gameplay. Par contre, ne quittez pas le live. Vous avez l'habitude, on va discuter 5 petites minutes avant de terminer. Voilà, on s'arrête ici pour Ratchet & Clank pour ce matin. Merci encore d'avoir suivi l'aventure qui est toujours aussi agréable, qui est toujours aussi plaisante.